Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo face caméra pour mon concours dont je vous avais parlé depuis un petit moment sur certains vlogs. Je vous avais demandé dans un vlog bien particulier savoir si ça vous dirait que je vous fasse en fait gagner lors d'un concours tous les petits produits que j'ai reçus via des box ou que j'ai acheté ou que j'ai eu soit dans des swaps ou autres et qui ne me correspondent pas, qui me vont pas, que j'ai pas apprécié ou quoi que ce soit. Donc en fait c'est des produits tout juste swatchés ou testés une fois et que voilà, qui m'ont pas convaincu, donc que j'ai mis de côté. Et en fait je me suis dit, ça me fait clairement chier de mettre ça de côté et de savoir que ça va finir à la poubelle. Pourquoi pas essayer de vous en faire profiter vous, et après voilà, vous faites votre propre opinion. Si vous voyez que ça vous plaît, eh ben tant mieux. Si vous voyez que ça vous plaît pas, eh ben vous jetez tout simplement. J'avais fait une sorte de petit sondage en vous demandant de me dire dans les commentaires si ça vous intéressait et vous avez été catégorique toutes, vous étiez ravies. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plusieurs petites boxes comme ça. Il y en a une quatrième, mais la quatrième sera à gagner sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas parce qu'il y a le concours là-bas aussi, et du coup si vous nous suivez ici et sur Instagram, ça vous donne deux chances de gagner. Je veux m'excuser aussi par ailleurs pour le bruit du ventilateur que vous allez peut-être entendre, mais là clairement on est jeudi, donc de la semaine d'avant que vous verrez cette vidéo. Et on est en pleine canicule ici, c'est une catastrophe, on est tous en train de mourir. Donc autant vous dire que je suis obligée de mettre le ventilateur. Bref, je reviens à mes moutons. Je vais vous faire voir rapidement comme ça ce que contiennent chacune des boxes. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire box 1, box 2 et box 3. Et en fait, quand vous allez m'envoyer le petit mail, mais je vous expliquerai tout ça à la fin des vidéos, après vous avoir montré les box, vous allez me dire pour quelle box vous voulez participer. Je pense que ce sera plus simple comme ça. Pas que vous receviez une des box, mais qui vous, voilà, qui vous bottait pas trop. Vaut mieux que vous participiez peut-être pour une box qui vous intéressait réellement. Je pense que c'est le mieux à faire, en tout cas. Donc c'est parti. Je vais arrêter de blablater parce que je vais devoir encore vous dire les conditions en fin de vidéo. J'ai pas envie que ça dure 3 heures. Je vous présente la première box. Donc au niveau des box, c'est des box de Beautiful Box que j'avais gardé à l'époque où j'étais inscrite, parce que j'ai trouvé qu'elles étaient trop cute et je me disais que ça allait toujours pouvoir me servir pour, voilà, pour vous faire un petit concours ou autre. Et bien écoutez, regardez, en tout cas c'est le cas. Donc dans celle-ci, qu'est-ce qu'on a eu? Voilà, que je ne fasse pas tout tomber. Je vais essayer de faire comme ça pour que vous voyez à peu près. On a là, on a un primer de chez Action. On a un rouge à lèvres un peu brun comme ceci, mais c'est assez clair quand même, de la marque Sienne. Je sais pas comment on dit en fait, ça marque de quoi. Là dedans, on a un petit bronzer et un petit blush. C'est moitié-moitié en fait, que j'avais eu dans une Beautiful Box. Ça, c'est un blush aussi, mais un blush crème que vous mettez sur le doigt et vous appliquez. Ici, on a un petit rouge à lèvres comme ceci, un petit peu bordeaux prune. Ça, c'est un, comment dire, un fard pour les yeux, mais liquide. De la marque Beautiful Box, on a aussi ce petit correcteur vert, vous savez, pour enlever les taches, pour enlever les rougeurs et tout, pardon. Ici, on a un petit truc Kiko, c'est du pigment qui est marron. Là, on a une boîte d'highlighter de Action. Alors, vous verrez que celui-ci est complètement cassé. C'est pas moi qui l'ai cassé, en fait. C'est quand je les avais reçus, parce qu'on me les avait envoyés par courrier, parce que dans mon Action, il n'y en avait pas. Et je voulais absolument les tester. Et celui-ci était arrivé complètement explosé. Donc, j'avais tout nettoyé, etc. Mais celui-ci est cassé, du coup. Et dessous, on a, voilà, la petite palette de chez Action qu'on entend beaucoup parler en ce moment. Elle est très bien pour son prix. Franchement, elle est vraiment très bien. Mais le truc, c'est que j'ai quasiment les couleurs qu'il y a à l'intérieur dans d'autres palettes qui sont de meilleure qualité. Les fards tiennent beaucoup plus, sont beaucoup moins poudreux et marquent beaucoup plus, sont plus pigmentés, tout simplement. Donc je me suis dit que ça ne servait à rien de garder cette palette, parce qu'au bout du compte, je ne m'en servirai pas. Donc voilà pour cette première box, on passe à la deuxième. Alors la deuxième se présente comme ceci, pareil, c'est une Beautiful Box. Je crois que celle-ci, c'était ma préférée, avec le serpent comme ça dessus, tout en doré. Franchement, celle-ci, je l'avais adorée, elle était trop trop belle. Alors à l'intérieur, on a, attendez, que je ne fasse pas tout tomber, parce que s'il ne manquerait plus que je casse quelque chose. Là-dedans, on a une petite palette de chez Kiko pour les yeux. Attendez, je vais essayer de vous faire voir au moins les teintes. Voilà.
Donc c'était des violets comme ceci. Ah, je m'en suis servi peut-être 2-3 fois, un truc comme ça. Là-dedans, on a de la marque L'Oréal fard à paupières noir. Mais il me semble qu'il est un peu irisé. Celui-là, je ne l'ai jamais ouvert. Je ne l'ai même jamais ouvert. Parce que des fards noirs, j'en ai 500. Ça, c'est un highlighter que j'avais eu dans une Beautiful Box. Il est juste canonissime. Mais quand je vous dis canonissime, il est juste magnifique. Le seul bémol, c'est que il a une odeur. Je trouve que ça sent comme l'essence ou j'en sais rien, un truc chelou. Alors vous verrez si vous, votre nez, il est aussi délicat que le mien et que vous sentez la même chose. Celle qui la gagnera, elle me dira parce que je sais pas. Même à travers le truc, ça pue le cambouis ou le fioul ou je sais pas trop quoi en fait. Bref, je suis pas très très fan. On a là un mascara waterproof de chez Essence. Il m'a pas convenu, je l'ai essayé une fois et je l'ai pas trop aimé au niveau de mes cils à moi, c'était pas le top. Ici on a pareil, c'était un bronzer highlighter comme ceci, en, vous savez, en duo. Ça, c'était un bronzer pareil de chez I Love Makeup. J'adore cette marque, elle est juste extra. J'ai un highlighter, c'est mon préféré de tous mes highlighters. Et là, c'est un bronzer, mais un bronzer qui est un peu irisé. Alors, pour moi, ça ne le fait pas du tout. J'aime pas du tout, en fait, les bronzers qui sont irisés. Pour moi, le bronzer, ça doit juste venir réchauffer mon teint et pas briller. Pour ça, je mets le highlighter. Mais après, vous pouvez peut-être vous en servir comme blush, justement, si vous avez la peau un petit peu plus foncée que moi. Moi, si je mets ça en blush, ça me fait beaucoup trop foncé. Mais selon le type de peau, ça peut le faire. On a un gloss comme ça de chez Maybelline qui est, voilà, totalement de cette couleur, un beau nude. Et il y a un autre gloss de cette marque-ci, voilà, et qui est un petit peu plus dans les tons rosés. Là, on a un soin capillaire sans rinçage de la marque Iasso. Voilà. Et on a la palette de chez Action qui est celle-ci. Hop, que je vous fasse voir comment elle se présente. Voilà. Donc voilà, voilà. Donc voici pour cette deuxième petite box. Et on passe maintenant à la troisième box qui est la léopard, qui est so sexy. Hop, et à l'intérieur, attendez que je ne fasse pas tout tomber, on a une petite palette comme ceci de la marque Ikari. J'avais eu ça aussi dans une box ou dans une Sweet Sparkle Box peut-être, je ne sais plus exactement. On a un petit bronzer de la marque Essence qui est comme ça, il est trop choupinou, mais pour moi il est beaucoup trop clair. Là on a un masque euphorisant aux extraits d'Immortel, cher ami. Voilà, si vous voulez être immortel, vous mettez ce petit masque et vous êtes immortel. La meuf, elle s'écrit dans Twilight. J'avais juste senti l'odeur, il sent extrêmement bon, mais je m'en suis jamais servi. Mais il sent très très bon. On a une petite palette de highlighter comme ça de chez Action. Pareil, j'avais eu ça et en fait, je m'en suis jamais servi. Je les avais juste swatchés. Voilà, ils sont comme ceci. Là, on a un petit blush en stick comme ceci. Donc, vous le mettez sur vous. Hop, hop, hop. Vous tapotez, vous mettez votre blush. Moi, je trouve pas qu'il soit extrêmement, extrêmement fort rosé. Mais il est très irisé aussi. Donc, vous pouvez limite vous en servir aussi pour highlighter. Mais moi, je m'en sers pas parce que j'aime pas les highlighters ou les blushs comme ça en stick. Ça fait crémeux sur ma peau. Ça fait pas beau du tout. J'ai remis un autre pigment comme ça, marron, à l'intérieur dans celle-ci. On a le push-up fossile, push-up drama, ouais c'est ça, de Maybelline. J'avais eu ça dans une box, j'avais essayé une fois mais il m'avait pas convaincu, donc du coup je l'ai posé, je l'ai jamais repris tout simplement. On a un petit rouge à lèvres comme ça, c'est un gloss et un gloss très 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 rouge. Et je vous ai mis cette petite palette de blush, de fard à paupières. Là vous avez un bronzer et là c'est une poudre libre hein, tout simplement, que vous pouvez venir mettre pour matifier un peu ou autre. Donc voilà pour les trois box qu'il y aura à gagner sur la chaîne. Celle-ci, je vous la présenterai sur Instagram en photo ou en vidéo, je ne sais pas encore, on verra ça. Vu que je serai en vacances, ce sera peut-être une photo que je vous posterai bah, en même temps que cette vidéo, donc le lundi. Bref, tout ça pour vous dire que si vous voulez découvrir ce qu'elle a dessus, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram. Même si vous n'avez pas spécialement de compte, ça coûte rien de vous inscrire. Et même si vous ne mettez pas de photos, au moins vous pouvez aller suivre les personnes que vous souhaitez. On va passer maintenant aux conditions de participation. Je ne vous demande pas 500 milliards de trucs. Juste d'être, ben, tout simplement, évidemment, abonné à la chaîne. Pour cela,
Et pour prouver votre abonnement, je vous demanderai de m'envoyer un mail à cette adresse mail que je vais vous mettre là, maintenant, tout de suite, là-dessous. Et vous pourrez retrouver aussi cette adresse mail en barre d'infos, comme d'habitude. N'oubliez pas de me mettre la capture parce que sinon, je ne prendrai pas en compte votre participation. Si vous ne savez pas faire de capture d'écran, même une photo de votre écran, on s'en fout. Tant qu'on voit que vous êtes abonné, tout simplement. Dans le titre, n'oubliez pas de me mettre si vous participez pour la box 1, pour la box 2 ou pour la box 3. Ça, c'est super important pour moi aussi pour pouvoir m'y retrouver. Ne venez pas nous mettre juste la capture d'écran en m'envoyant le mail sans un bonjour, sans un merde. Parce que alors ça, Dieu seul sait à quel point on en reçoit. Et ça a le don, mais de me faire grincer les dents. Parce que je sais pas, il y a un minimum... Je veux dire, tous ceux qui vont s'abonner juste pour gagner le machin et quand donc le concours sera fini, ils n'auront pas gagné, ils vont se barrer. Je trouve ça mais d'un pathétique extrême, quoi. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Comme si on s'en rendait pas compte, quoi. Il n'y a pas marqué con non plus sur notre front. Bref, n'oubliez pas la capture d'écran pour ceux qui participeront. Avoir plus de 18 ans ou avoir l'accord parental. N'hésitez pas aussi à me mettre dans le mail, voilà, des choses que vous aimeriez peut-être voir sur la chaîne, que ce soit des FAQ, des crash tests ou voilà, plein d'autres trucs comme ça. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce qui vous passe par la tête, de ce que vous aimeriez voir en plus des vlogs, bien évidemment, sur la chaîne. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 milliards de conditions. Si, juste une petite info, le concours sera donc en ligne le 6 et je vais vous laisser le temps de participer jusqu'au 20 août, comme ça au moins après je peux m'occuper de contacter les gagnantes, etc, de vous faire le tirage au sort et tout et tout et tout. Cette fois-ci c'est sûr, c'est terminé. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très très vite pour de prochaines aventures ensemble. Gros bisous.